Caligula, il emmène sa garde sur une plage, loin de Rome. Et là, il les divise en deux, il divise sa garde en deux. Il leur fait ramasser des coquillages. Et il leur ordonne de se battre l'une contre l'autre. On se dit, en effet, ça va pas fort, Caligula. Et puis, il revient. Bon. Ça, c'est l'aspect Caligula vu par Albert Camus. Ça, c'est l'interprétation délirante de Caligula. Je ne veux pas dire qu'elle soit mal ou qu'il ait tort. Non, pas du tout. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être que... Interprétation juridique, rationnelle, politique, politico-juridique. Des latinistes remarquent que le même mot désigne coquillage et certaines machines de guerre. Bon. Suffit de penser à ça pour penser que le texte de Salluste est peut-être un texte de satire et volontairement satirique. Car tout devient un peu cohérent. Supposons, on risque rien à supposer qu'ils sont sérieux. Alors, supposons, mais ça arrivait tout le temps, que Caligula ait eu l'impression qu'une partie de sa garde préparait un salut, une révolte. Il emmène toute sa garde loin de Rome, près de la mer. Et là, il n'en fait pas ramasser des coquillages, il n'est pas quand même à ce niveau. Il fait ramasser les machines de guerre qu'une partie de la garde a, la partie soupçonnée. Et puis il fait exterminer la partie soupçonnée par l'autre partie. Tout vient d'une banalité rationnelle très grande, c'est-à-dire il étouffe une révolte. Et puis il rentre à Rome, après avoir liquidé une partie de sa garde. Ça devient limpide. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Je dirais, ni l'un ni l'autre à la limite. Il faut garder cette sphère d'ambiguïté, la montée de la sphère ambiguë. La montée de la sphère ambiguë, c'est que c'est exactement ça. Je peux tout interpréter ou bien en détermination de la subjectivité privée, c'est-à-dire la folie, le plus privé de la subjectivité, ou bien en détermination publique objective. Mais en fait, il y a toutes sortes de régimes dont on s'occupera qui se définissent comme à cheval. Parce que, non pas du tout qu'ils fassent une espèce de synthèse, de mélange du public et du privé, mais qu'ils imposent une sphère qui n'est réductible ni à l'un ni à l'autre. C'est ce que j'appelle la sphère des rapports de dépendance personnelle. À ce moment-là, alors peut-être le titre de Paul Veyne, le sphère mélissant, prendrait un sens même plus général. Prenez la féodalité. C'est vraiment avec la féodalité, il y a des pages là du coup de Michelet qui sont splendides, sur la manière dont s'est constituée la monarchie française. Où il dit, c'est très curieux, les rois de France, ils gèrent leur germe de royaume, vraiment comme des espèces de boutiquiers. Et ils opèrent avec quoi? C'est là, Michelet crédite Louis XI de ça, mais ça a commencé avant Louis XI. Il dit, ce qu'il y a de génial dans Louis XI, c'est que vraiment, les mariages, les héritages deviennent les instruments objectifs d'une politique. Vous direz, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas si à ce moment-là, il n'y a pas une espèce de mutation ou... Mais que les mariages, les héritages deviennent vraiment les facteurs actifs et créateurs d'un nouveau type de pouvoir qui se fait à ce moment-là. Par exemple, le pouvoir du monarque, qui n'est pas du tout la même chose que le pouvoir du despote archaïque. Que tout ça monte sous cette forme. Dans l'Empire romain, ça montait sous une autre forme. Cette sphère qu'il faut définir comme chaque fois la détermination mouvante des rapports de dépendance personnelle. Alors, vous pouvez... On ne cesse pas d'osciller. Tantôt, en rendre compte de manière objective, et ce n'est pas juste, tantôt, en rendre compte de manière simplement subjective, le délire des Césars, c'est pas juste non plus. Il y a tout à fait autre chose là-dedans.
Alors ça, on essaierait de... Mais si vous voulez, j'atteins enfin mon problème. C'est vraiment, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive là, à cette montée d'un nouveau type de relation? La sphère des relations de dépendance personnelle. Alors c'est très varié. Dépendance personnelle par rapport à l'empereur évolué, dans le cas de l'Empire romain. Par rapport à... au seigneur, dans le cas de la féodalité, c'est un tout autre type, je ne les confonds pas. Par rapport au monarque, dans la monarchie française, ce qui est en commun, c'est que c'est des figures de la relation de dépendance personnelle. Or, encore une fois, ce n'est pas les personnes qui rendent compte de la constance des relations de dépendance personnelle dans une société. C'est spécifique. Il me semble qu'il nous faut un concept de la relation de dépendance personnelle qui en fasse vraiment, qui lui donne une consistance spécifique. Alors, je dirais, mais qui est vraiment à ce niveau-là? Cette sphère de la dépendance personnelle, qui c'est l'homme de la sphère de la dépendance personnelle? C'est quelqu'un dont la détermination historique a une importance colossale. C'est celui qui se plaint. C'est l'homme de la plainte. C'est lui qui fait monter cette sphère de la dépendance personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pourquoi l'homme de la plainte? Est-ce qu'il va avoir une importance historique aussi grande que je dis l'homme de la plainte? Et qui est-ce qui se plaint dans l'histoire? Il faut savoir qui est-ce qui se plaint. Tous les malheureux se plaignent. Il est malheureux, ça peut être très varié, ça peut être des aristocrates qui ont perdu le pouvoir, ça peut être des paysans opprimés, le peuple opprimé, ça peut être... Alors ça varie. Quand c'est un aristocrate proscrit qui a perdu le pouvoir, tout ça, sa plainte n'a pas le même nom. Quand le peuple se plaint, c'est pas la même chose. Bon, mais à travers toutes ces variations, est-ce qu'il y a une certaine situation de la plainte dans l'histoire? C'est à ça que je voudrais que vous pensiez pour la prochaine fois. Qui c'est l'homme de la plainte? Je prends une hypothèse d'un auteur que je trouve très très fort, un marxiste hongrois, spécialiste de l'Empire chinois dont j'ai parlé une autre année, qui s'appelle Tegel. Beaucoup de choses de lui sont ou bien traduites, enfin publiées en français. Je pense à un texte très beau de lui, d'une quarantaine de pages. Naissance de l'élégie chinoise. Naissance de l'élégie chinoise. Et la thèse de Tocqueville, c'est que l'élégie chinoise, l'élégie c'est quoi? C'est l'art de la plainte. L'élégie c'est le chant du deuil. Et ça traverse l'histoire, l'élégie. Et en plus ça traverse les valeurs lyriques de l'élégie, qui sont les grands poètes lyriques. Il y a des poètes tragiques, il y a des poètes épiques, mais le lyrisme, c'est fait de quoi? Le lyrisme, ça a une sorte de deux tonalités fondamentales. La tonalité satire et la tonalité élégie. Et ce n'est pas les mêmes rythmes. Il y a des rythmes satiriques, il y a des rythmes élégiaques. Par exemple, pour ceux qui se rappellent des traités de versification, ce qu'on appelle le diptyque. Le diptyque est un rythme typiquement élégiaque, inventé par des poètes dits élégiaques. Parfois, c'est les mêmes poètes qui ont une partie de leur œuvre en satire, une partie de leur œuvre, mais c'est les deux grands pôles du lyrisme. Ça continuera jusqu'à Victor Hugo, ces deux grands pôles. Deux grands pôles lyriques. Or, la satire, elle procède avec quoi? Avec les valeurs suprêmement poétiques de l'injure. La satire, c'est le développement lyrique de l'injure. Et rythmique de l'injure. L'injure, ça a des valeurs rythmiques très grandes. Il suffit de voir les formes d'injures populaires, il y a des valeurs rythmiques très très grandes, des injures. Quelqu'un s'est bien injurié quand il est bon rythmicien, s'il n'est pas bon rythmicien, c'est pas la peine. Bien, il y a tous des langages d'injures. Au moment de la Révolution, il y avait des langages, ou juste avant la Révolution, il y avait des langages d'injures, dont profiteront les journaux révolutionnaires. Par exemple, le journal du Père Duchesne, qui est un dérivé de ces langages pré-révolutionnaires, qui était tout entier fait d'injures. Formidable. Les satiriques latins ont un sens de l'injure rythmique là, qui est fantastique. Enfin, la satire, c'est ça.
Et l'élégie, c'est elle, le développement lyrique de la plainte. Or, très bizarrement, il y a des combinaisons entre la plainte et l'injure. C'est le même homme, peut-être qu'à la limite, c'est le même homme, celui qui manie la plainte et celui qui manie l'injure. Et avec quel humour et quelle valeur rythmique elle a de la plainte. Alors, si je dis des plaintes, ben, oui, elles traversent l'histoire. Je pourrais faire la liste des plaintes, les grandes plaintes. Bon, je fais une liste même absurde. On voit tout de suite, la plainte, il y a une plainte épique. La plainte épique, c'est généralement lorsque l'épopée a perdu son actualité. C'est un effort, la plainte épique, c'est un effort pour réactiver l'épopée. Dans l'Empire romain tardif, ils essaient de refaire de l'épopée. Pas forcément fameux, hein. Mais alors, ça devient une épopée plaintive. Ah, le vieux temps, ah, la décadence actuelle, etc. Il y a une espèce de pôle élégiaque de l'épopée. Hein. La plainte épique se forme. Par exemple, même chez de très grands auteurs, comme... enfin, peu importe. Trop plus que j'ai parlé moi. Alors, bon, ça, il y aurait tout le domaine de la plainte épique. La plainte tragique, c'est-à-dire que la tragédie porte la plainte, la tragédie grecque. Je cite, de tête, de cœur, oi, 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 eia, popeia, eia, popeia. Vous sentez tout de suite que c'est une plainte. Vous avez senti. Non, d'ailleurs, je l'ai dit trop gaiement. Je l'ai dit trop gaiement. Je recommence. Hein. Bon, mais là aussi, on voit bien que le tragique n'a pas l'essence de la plainte. Pourquoi? C'est le cœur qui se plaint. Dans la tragédie, c'est le cœur. Le cœur qui est finalement et d'une certaine manière l'exclu de la tragédie. Oh, qui est là comme témoignant d'une espèce de... Je ne sais pas de quoi tu témoignes, mais... Bon, il intervient quand on a le temps de le faire intervenir. Il intervient sous la forme de la grande plainte. Édipe ne se plaint pas, mais le cœur. Oh, yo, qu'est-ce qui lui arrive, hein, pauvre Édipe qu'est-ce qui va lui arriver? Oh, bon. Plus beau texte de plainte, tout ça. Mais la plainte n'y est pas pure, puisqu'elle est prise en éléments tragiques, tout comme la plainte qui a été prise en éléments épiques. Il y a un tout autre type de plainte, alors dans une toute autre civilisation, c'est la plainte prophétique. La plainte prophétique, le prophète ne cesse de se plaindre. Et par là, le prophète appartient à un grand modèle qui est Job. La plainte de Job. La plainte de Job. La plainte de Job, quand il interpelle Dieu. Alors quoi? La longue plainte du prophète, c'est très très important. Or, c'est pas la plainte rapide, c'est pas la plainte épique. Vous avez la plainte populaire qui donne la complainte. Enfin, des plaintes, vous en avez. Mais la plainte devient pure dans son rôle élégiaque. Les grands poèmes de la plainte, c'est des élégiaques. C'est ni les tragiques, ni les épiques. Et qui sait? C'est d'abord toute la tradition des Grecs. On parle de l'épopée chez les Grecs, de la tragédie, mais considérée comme l'égale des grands tragiques et de Homère et de l'épopée, la série des poètes élégiaques grecs. Il y a des médailles, il y a ici des frappes des médailles, une face pour Homère et une face pour un grand élégiaque. La poésie latine, qui est une des choses là, dont un des seuls hommes aujourd'hui en France capable de bien parler, c'est justement Paul Verne. Parce qu'il a, je ne sais pas par quel don, il a le sens de ce qu'ils ont apporté en rythmique, de la valeur rythmique de ses poètes. C'est la grande série, Catulle, Ovide, Tibulle, Properce. Donc une partie de l'œuvre est faite d'élégies. Avec des rythmes, alors avec une invention rythmique fondamentale. Or, tout ça, je dis, qui est-ce qui se... Je retrouve ma question. Si l'élégie est vraiment la forme lyrique de la plainte, c'est-à-dire la forme sur laquelle la plainte apparaît à l'état le plus pur, qui est-ce qui se plaint dans l'histoire? Qui est-ce qui se plaint dans l'histoire? Là, c'est une réponse qui peut nous intéresser, du moins celle de Tocqueville, qui le montre, je ne dis pas en général, pour... l'élégie chinoise.
Et là, il dit, celui qui se plaint fondamentalement dans l'Empire chinois, c'est qui? Ce n'est ni le proscrit, ni l'emprisonné. C'est l'esclave affranchi, ni l'opprimé. Ni le proscrit, ni l'opprimé, ni le, je sais plus quoi, c'est l'esclave affranchi. Le genre élégiaque chinois commence avec l'importance prise par ce personnage historique très très curieux, l'esclave affranchi. Bon, alors est-ce que ça va peut-être couper des choses pour nous, ça? Et l'élégiaque, le poète élégiaque, on peut dire, il se vit tantôt comme proscrit. Prenez par exemple, alors la forme vraiment personnelle de la plainte, l'élégie amoureuse. L'élégie sera dit par. Il y a l'élégie dès qu'il y a deuil, dès qu'il y a plainte. Dès qu'il y a plainte, oui. Et prenez l'élégie amoureuse. Le poète élégiaque pousse sa plainte. Sa plainte grandiose, lyrique et rythmique, en fonction de toute une constellation de situations. Tour à tour, il se pose comme étant éconduit par l'aimé, c'est-à-dire proscrit. Opprimé par l'aimé qui abuse de son pouvoir. Mais différent de proscrit et différent aussi de opprimé, il y a exclu. Pas la même chose. Le personnage de l'esclave affranchi qui se sent comme exclu. L'exclu, c'est l'esclave affranchi. Il se vit comme exclu. Alors, c'est d'où l'histoire idiote, l'esclave affranchi qui dit « Ah, j'aurais préféré encore rester esclave. » C'est idiot, ça. Et que l'esclave affranchi, par exemple, dans les exemples qu'analyse très bien Teteil, se vive comme exclu. L'opération d'affranchissement, c'est une opération à la fois très très importante. Est-ce que c'est pas lui qui à la fois va être au centre de la plainte, mais d'une plainte beaucoup plus efficace qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle va entraîner la montée de ce nouveau type de rapport. Les rapports de personne et de la dépendance personnelle. Où là, l'esclave affranchi va se découvrir comme un véritable maître. Pas du tout comme quelqu'un qui dépend. Si on lance la sphère de la relation des dépendances personnelles, c'est l'esclave affranchi ou quelque chose comme ça qui devient maître. Et c'est lui qui va mener le concilium de l'empereur. C'est lui qui va mener le fiscus de l'empereur. Peut-être. Hein. Là, en psychiatrie, la psychiatrie est pleine des plaintifs. Et il y a trois grandes plaintes. Et les trois grandes plaintes qui correspondent à ce qu'on appelle les trois grandes névroses actuelles, ou ce qu'on appelait. La plainte de l'hypochondriaque, la plainte du mélancolique, et la plainte du dépressif, c'est pas du tout la même. C'est pas la même, la plainte dépressive, il faudrait inventer les valeurs rythmiques, c'est pas les mêmes valeurs rythmiques, c'est pas les mêmes rythmes. Alors, ce serait trop facile, une hypothèse facile, donc on peut pas, mais ça aurait été bien. C'est que la vraie plainte, ce serait celle du mélancolique, hein, parce que c'est lui qui se vit comme exclu. Tandis que l'hypochondriaque, c'est pas la plainte pure, parce que lui, il se vit beaucoup plus comme proscrit. Le dépressif, il se vit beaucoup plus comme opprimé, emprisonné. C'est tellement facile que c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Donc, alors, on tire un trait, voilà. Voilà, bon. Vous réfléchissez à ça. On en est là, quoi.